Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Influence TV. Influence TV, c'est quoi? C'est l'émission de Influence. Influence, c'est le réseau de 13-17 ans de l'Église MCI Canada. Aujourd'hui, on a plein de contenu assez intéressant pour toi. On va commencer avec T'es pas game, petit défi fait par Jude. On va faire un challenge quand même spécial. Ensuite de ça, on va avoir le segment Le Beat de la semaine, animé par Carlos. Come on! Don't mess with me. Ensuite de ça, on va voir si ton estomac est solide avec Emmanuel. Aujourd'hui, c'est le combo douteux le plus dégueulasse, je pense, que je vais faire. Ensuite de ça, on va avoir la question existentielle avec David. Je crois que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Et pour finir, on va avoir un retour de la petite recette de la semaine, mais là, ça va être fait par moi-même. Donc, soyez conscients que ça va être incroyable. Comme vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est seulement animé par des boys. Pourquoi on a fait ça? Parce que demain, c'est le brunch avec tes amis. Come on, girl! Puis, on a voulu laisser les filles bien se préparer pour le brunch, alors les boys, on s'est occupé du contenu aujourd'hui. Donc, on va tous vous animer ça, inquiétez-vous pas, on va se rendre quelque part. Avant qu'on commence, juste un petit rappel de comment ça fonctionne, on vous demande de commenter, on vous demande de dire qu'est-ce qui se passe, on vous demande d'écrire « Yo, what's up, I love it », on vous demande de nous aider en commentant et en encourageant chacun des boys qui vont participer aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de rester respectueux dans vos commentaires. Si vous avez en bas de 13 ans, t'es le bienvenu avec nous, mais assure-toi juste que tes parents sont au courant que tu regardes Influence TV et dans les commentaires, là, t'as pas besoin de donner aucune information personnelle, ok? Fait que garde tes informations personnelles pour toi, puis fais juste nous dire comment tu trouves les vidéos. Sur ça, on va commencer tout de suite avec Jude et le segment T'es pas game. Hello, 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 guys. Bienvenue dans le segment T'es pas game. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Jude. Je fais partie du réseau Influence, je suis leader dans le réseau Influence. Aujourd'hui, on va faire un challenge quand même spécial. Je vous mets au défi, guys. Mais le challenge, ça serait de manger 7 biscuits soda en 1 minute, guys. 7 biscuits soda en 1 minute. C'est ça, on va commencer. J'ai mon chronomètre ici. Donc, c'est 1 minute qui est là-dessus. On va commencer. 1, 2, 3, go. Guys, malheureusement, j'ai pas pu avaler les 7 biscuits soda en 1 minute, mais j'ai pu quand même le rentrer dans ma bouche avant les 1 minute, guys. Donc, je vous mets aussi au défi. Faites-le chez vous, sans boire de l'eau, gars, je précise, c'est sans boire de l'eau. Envoyez-le sur le IG de Influence. Donc, on va passer au prochain segment, guys. Portez-vous bien et checkez. Good job, Jude. Pour vrai, ton défi m'a inspiré, puis je me suis dit, je vais pas te laisser seul en train d'essayer de faire ça. Donc, sur l'instant, moment, présent, genre, right now, je vais l'essayer moi aussi. Fait qu'on a besoin de 7 biscuits soda. C'est ça qui est dans mon petit pot, ok? J'ai le même petit pot comme ça. Timer, 1 minute. Pour boire d'eau, donc j'ai pas d'eau avec moi. Donc, on va commencer. Attention. Dans 3, 2, 1. Thank you.
Donc, parce que sa bouche a fait tellement à faire que tu peux plus avaler. Ça fait un peu que je suis bouché. On va aller écouter. Oh my god. On va aller écouter le beat de la semaine avec Carlos CJ. Come on! Hey guys, yes, it's me, CG in the building, Carlos Guzman qui va vous présenter le beat de la semaine. Et j'ai hâte. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Carlos Guzman, je suis un des leaders du réseau Influence de 13 à 17 ans. Aussi, je suis le responsable au niveau de la sécurité pour le réseau Influence. So guys, don't mess with me. Mais ouais, c'est ça guys. Et le beat de la semaine. Man, ce beat-là m'a donné la nourriture et m'a boosté. Le titre de ce beat, c'est Armies de ma boy KB. C'est qui KB? C'est un rappeur chrétien qui est connu, qui a été dans le groupe label Rich Records. Alors, il a été avec Lecrae, 1K Few, Andy Mineo, Triple E, Tedashi, name it all. KB, il a été partout. C'est un des fondateurs du groupe de marchandises Native Supply. So guys, check out KB. KB, c'est un gros gars. Les vêtements qu'il vend est tellement créatif, tellement bon, tellement drip. Puis un mini témoignage de KB. Quand KB est né, le docteur a dit à sa mère qu'il va pas pouvoir parler à cause qu'il a eu un problème avec sa langue. Mais sa mère, comme une femme de Dieu, une bonne mère chrétienne, elle a refusé ses paroles, puis elle a commencé à prier et elle a commencé à déclarer dans la vie à KB. De fur et à mesure, quand KB grandissait, il commençait à bien articuler, il a commencé à bien parler et il a une excellente communication. Que Live, c'est un rappeur et que là aussi, il prêche dans les églises. Alors, qu'est-ce que KB, il a? C'est une bonne communication quand il parle. Il a de la locution. Mais en grandissant, c'était pas facile pour KB. Pourquoi? Parce qu'il a vécu le divorce. Sa mère et son père se sont divorcés. Alors, ça l'a amené à être un rebellion à l'école. Ça l'a amené à aller de gauche à droite. En tant qu'adolescent, il a commencé à foxer les cours. Il a même rentré dans la drogue. Mais à l'âge de 16 ans, Dieu a envoyé un messager à KB. Puis ce messager, c'est un rappeur chrétien. Il a donné un CD album à KB. Back then, c'était des CD avec un Walkman. C'est ça. Quand KB, il a commencé à écouter ses musiques, il était comme, dang, ça c'est du rap chrétien, c'est fou. Il a été saisi, pourquoi? Parce qu'il a jamais vu un chrétien avec une casquette, avec un bandana, avec des baggies, avec des tattoos, tu comprends? Parce que le monde pense que être chrétien, ça doit se baser au niveau d'extérieur, c'est faux. Être chrétien, ça doit se baser du cœur. Et ça l'a touché KB, puis ça l'a vraiment poussé à KB à rapper après. Pourquoi? Parce que Dieu lui a touché à travers la musique. Et ça, c'est quand il a eu sa confirmation d'être rappeur, à voyager dans le monde, à prêcher la bonne nouvelle qui est l'évangile. KB, c'est un bon modèle, guys. Suivez-le, c'est une influence, c'est un leader. Et yeah, man. Le beat, Armies, my God. Ce beat-là a référence à le worship de Chris Tomlin, Angels of Armies. Alors, le beat de KB, en fait, c'est un genre de mix adoration avec du rap dedans. Et avec un bon trap 808, un bon beat. Je vous pousse vraiment à écouter Armies. Pourquoi? Parce que ça parle que tu n'es pas toute seule et que le Dieu des armées est avec toi et que à chaque fois que vous êtes dans un combat, les jeunes, sachez que c'est pas toi qui va combattre le bon combat, c'est Dieu qui va faire ça pour toi. Dieu fait le 90%, mais qu'est-ce que toi, t'as à faire, c'est le 10%. Et ce 10%, c'est de mettre ta confiance en Dieu pour que tu puisses laisser Dieu faire l'œuvre dans ta vie. Je vais juste vous lire les paroles de son intro. Danger, giants. Danger, géant. Battle is my story. Le combat, c'est mon histoire. But alone, I won't know. Mais tout seul, je vais pas savoir. That's my glory. C'est ma gloire. Shadows, you cannot hide me. L'ombre, tu peux pas me cacher. My king will fight. Mon roi, il va combattre. The God of angels armies. Le Dieu des armées is always by my side. Et tout le temps dans mes côtés. Le Dieu des armées est tout le temps dans mes côtés. Alors ouais, guys, c'est ça alors. Le message de KB dans ce beat, il veut vraiment passer le message en disant que t'es pas tout seul dans les combats que vous vivez en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va changer ça pour toi. Laisse Dieu à 100%. Et comment ça marche? C'est à travers la foi. Directement après le refrain, il a dit « Ma vie n'a jamais été pareille depuis que la mort est morte. » Ça, c'est ça, guys. Much love. God bless y'all. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Et guys, écoutez le beat. Influence TV. Love y'all. Peace.
Merci beaucoup, Carlos, c'était vraiment bon. Moi j'ai vraiment aimé le beat, je l'ai même rajouté dans ma playlist de training parce que je trouve que c'est un beat qui est entraînant en plus. I love it. Merci beaucoup, c'était ta première fois. T'as vraiment fait une bonne job, Carlos. Et ensuite, on continue avec nos combos douteux. C'est le retour en force de Emmanuel. Emmanuel, on te fait confiance. On fait confiance à ton estomac. On sait que t'as eu un bon 2 semaines de repos. Fait que là, t'es prêt et d'attaque à essayer n'importe quoi. On a hâte de voir ce que t'as préparé pour nous. Let's go, Emmanuel. What's up? Bonjour les amis, bienvenue pour cette session de combo douteux et cette fois-ci j'ai un spécial pour vous. J'arrête là, ok? Ça c'est le beat de la semaine passée. Toi vous l'avez écouté, mon roi de Vini. Elle est juste trop malade, ok? Je vibe. Alors très chers amis, pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui c'est leur première fois et tout, je me présente, mon nom c'est Emmanuel. Et aujourd'hui c'est le combo douteux. Le combo douteux c'est quoi? C'est un mélange de nourriture ou de boisson avec nourriture, bien whatever qu'on fait, qu'on met ensemble, puis ça fait un combo ou un trio, parce qu'il y en a qu'un. Bref, c'est que là, ça fait un combo et je vous dis, le twerking du soir, c'est tellement pas bon. C'est pas bon, ok? À date, je vous dis, il n'y a rien qui conteste le jus d'orange avec les Oreos. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir l'épisode 1. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore vu les autres épisodes, mais enchaînez-les parce que Vibes Netflix, maintenant, c'est Influence TV qui donne, ok? Alors, aujourd'hui, c'est le combo douteux le plus dégueulasse, je pense, que je vais faire. À date, je pense que c'est le plus dégueulasse. Est-ce que j'en ai fait un qui était vraiment pas bon? Vous voyez, je commence à arrêter d'être poil là, ok? Je vais vous présenter. On a du ketchup en bon créole, sauce tomate. On a de l'œuf bouilli qui est à l'intérieur. Oh, c'est tombé de l'eau par terre! Franchement, je l'ai mal bouilli, man. Est-ce qu'il est bien cuit? Du riz, les amis. Une banane. Du lait. De la crème glacée. J'ai oublié le poulet. Et nous avons... Il y a que ça avec moi. Ok. Et nous avons du poulet. Et ça, c'est ma nouvelle poubelle. C'est ça que j'ai. Nous avons de toutes sortes de mélanges. Je vais commencer par celui que je pense qui est vraiment le plus dégueulasse, le moins appétissant, le plus que je sais que je vais... Tu comprends? Comme... Yo, je sais pas si j'ai envie de... Oh mon... Claudia, je pense que quand elle prend de la crème glacée, elle prend le cornet, puis elle met, puis elle est comme... Oh! Crème glacée avec The Bouillie. Yo, je me dis, celle-là, oh, j'ai oublié mon Tendo. Non, Emmanuel, tu vas pas couvrir. Elle prend une bouteille d'eau. Non, Emmanuel, bon, ça c'est fini la vidéo. T'es qu'à... Ok. Yo, je suis pas prêt. Yo, comment c'est... Y'a pas de sel, c'est dégueulasse. Faut un bon piste là. Non, je peux pas. Je vais essayer de marcher juste. Yes. Je ne vomirai pas, car c'est Emmanuel. Tu vois, ça c'est bon. Ça se mange toute seule. Toute seule, solo, l'ennui. Tu as un petit sirop ou bien tu mets des petits chocolats dans le chill. Un œuf bouilli. Non, en plus, ça fait que je vais souper. The next one. De Rafaela. Rafaela a dit ce qui est bon, c'est du riz avec du ketchup. Et je pense qu'elle a quand même raison. Pourquoi? Parce que le ketchup, ça se mange presque avec tout. Presque, hein? On va faire le test. On va mettre du ketchup. Pa 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 pa. Je fais ça comme un chef, hein? Comme un chef. Ok, on va boire ça ensemble. Put that together. Pourquoi je pense bien? C'est-tu? Mais
j'aime pas. Mais j'aime pas vraiment ça, mais c'est pas si que ça. Mais c'est juste pas de mon goût. Prends la bouche pleine. Ok. Celle-là était pas si pure. Ok, je vais pas manger au complet là, ok. C'est clair, je mangerai pas au complet. Last one. My brother. From Repentin. Marvin, on a. Je sais pas comment t'as pensé à ça. Je sais pas comment ça t'est venu à l'idée. Et je suis sûr que c'est pas une révélation. Peut-être que banane avec poulet, peut-être ça va goûter un petit bail. Okay, peut-être ça va. Peut-être taste good. Pourquoi? Mais du lait! Tu veux que je garde ça avec du. Cela, je prends une jet de banane. On vous coulez. On a dit. Ok, je reviens à moi-même. Non! Trouvez-moi du jus d'orange avec des Oreos. Trouvez-moi un combo douteux mais qui goûte bon. Vos affaires goûtent pas bon. À part toi, Rafaela, bon, ça c'est quand même, ça c'est un petit peu trop fin. Mais non! 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 Okay. Yo! Non! En tout cas, yo, mais comment. Yo, bro, comment t'as pensé à banane? Les amis, mais c'est juste pas ça. Chez vous. Si quelqu'un essaye, me dit qu'il est bon, je te le prends. Dimanche soirée de guérison directement. Ok, comme ça. Comme ça. T'as besoin d'eux. Parce que c'est pas bon. Alors c'est ça les amis. J'espère que vous allez vraiment aimer. Ah, c'est dégueulasse. En tout cas, so, je vous laisse là-dessus. Et merci de m'avoir écouté. Je sais plus pourquoi ça c'est dégueulasse. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Les versions, c'est tellement dégueulasse. Ok. Ok. So, c'était tout pour ce combo douteux. Alors, je vous passe à Stéphane pour la suite des choses. Comme. Non, tu. Yo. Merci beaucoup Emmanuel, ton estomac est solide, les oeufs là. Moi je suis un fan d'œufs en fait, fait que peut-être que j'aurais été game, mais je fais confiance que tu l'as essayé. Regarde, moi je vais pas essayer quelque chose qu'on a déjà testé, tu comprends? Pour ce qui est du riz et du ketchup, je suis un gros fan de ketchup aussi. Ketchup et ketchup. Ça c'est deux débats infinis là, de comment on dit ça. Ketchup. Mais peu importe. Le riz et le ketchup, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, comme tu vas pas te dire genre, ah, j'ai envie de manger du riz et du ketchup, mais on s'entend que t'as du petit poulet, du petit riz, un petit peu de ketchup peut-être. Le mélange se fait, ça passe bien quoi. Merci beaucoup pour ton estomac solide et tes papilles gustatives développées. Suite de ça, on continue avec David. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la question existentielle de la semaine passée, il a fini en nous donnant un petit aperçu de ce qui s'en venait. Donc c'est la suite dès aujourd'hui. Alors David, qu'est-ce que t'as pour nous? Bonjour Influence, bienvenue encore une fois à une question existentielle. Cette semaine, on répond à la question de la semaine passée. Qui a créé Dieu? Qui a créé le Dieu suprême? Et la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de comprendre qui est Dieu. Dieu est l'être suprême, a.k.a. le roi des rois, a.k.a. le seigneur des seigneurs, a.k.a. le big boss, a.k.a. le premier ministre de la vie éternelle, a.k.a. le CEO de l'entreprise de l'existence. Je crois que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Alors si on se pose la question, qui a créé Dieu? C'est parce qu'on a le mauvais concept de qui est Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas affecté par le temps, ni l'espace, ni la matière. Ces trois facteurs font partie du continuum. Alors si Dieu est affecté par un de ces trois facteurs, alors il n'est pas Dieu.
Je m'explique. Alors, pour que la loi du continuum fonctionne, alors ces trois facteurs doivent venir en existence au même moment. Et la Bible nous demande que Dieu n'est pas affecté par ces facteurs-là, mais plutôt c'est lui le créateur de ces facteurs-là. Alors, si on regarde dans Genèse 1:1, on est capable de voir en 9 mots que Dieu est au contrôle et domine ces facteurs. Au commencement, alors le temps, Dieu créa les cieux, l'espace et la terre, la matière. Alors, en 9 mots, on est capable de voir que Dieu est celui qui domine sur ces facteurs-là, le temps, l'espace et la matière. Alors, Dieu est au contrôle du passé, du présent, du futur. Il est au contrôle de la longueur, largeur, hauteur. Il est au contrôle de la matière au niveau des solides, liquides, gaz. Il domine sur tout. Alors, Dieu qui a créé l'univers est externe à tous ces facteurs-là. Il est au-delà, au-dessus, en dedans, à travers. Il n'est pas affecté par le temps, ni l'espace, ni la matière. Alors, réjouis-toi aujourd'hui, influence, parce que tu sers un Dieu qui n'a pas de limite. Il est sans limite. Shout out à sans limite. Et c'est la réponse la plus simple, mais la meilleure à mon avis pour répondre à la question qui a créé Dieu? Personne. Nobody. Alors, on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao! Merci beaucoup, David. Explication aussi claire, encore une fois. Personne. Personne. C'est lui le big boss. I love it. Good job, man. Super bon. On continue avec... On termine, en fait. Oui, on termine. C'est déjà la fin. Ça passe vite, on voit. C'est vrai, on va direct to the point. Come on. Ok, excusez. On y va avec la recette de la semaine. C'est moi qui l'ai fait. C'est bon. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve ça super bon. Je trouve que... un petit peu difficile à faire, ça montre de mes talents culinaires, mais je vous encourage à l'essayer, puis je suis persuadé que vous allez être satisfait. Donc, la pizza, on aime ça. Tu sais, garde simple, efficace. Mais ouais, la pizza, garde, va t'acheter une petite pizza, mais dans le four. That's the way it is, you know? It's good. We love it. OK. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de prendre le temps de commenter si vous avez des idées de combos douteux que vous voulez que nos experts essayent. Si vous avez des idées de défis que vous aimeriez voir aussi, prenez le temps de les commenter. On est ouvert à toute option. On veut utiliser ce que vos idées pour produire Soul. Je remercie encore une fois toute l'équipe d'Influence. J'aimerais remercier toute l'équipe d'Influence qui a aidé à la conception de cette vidéo. Prends le temps aussi de remercier nos pasteurs qui nous font confiance de faire des vidéos comme ça à chaque semaine. Aussi, j'espère que tu restes connecté avec l'Église, connecté avec les gens de l'Église, parce que l'Église, c'est nous. Et si tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment ça marche, c'est la première fois que tu es avec nous, tu te dis « Hey, j'aimerais ça en savoir plus », on t'invite à aller directement sur le site internet de MC Canada et de te trouver une connexion. Une connect, c'est quoi? Ça va être un groupe de personnes que vous allez rester connectés ensemble, rester connectés à l'Église. Fait que tu peux aller sur le site internet, dans l'onglet « Trouver une connect », tu nous donnes des informations, puis on va prendre contact avec toi. Ensuite de ça, oh girl, come on girl! Écoute-moi bien girl, demain 10h, c'est ton brunch sur YouTube NCI Canada. Come on girl, ok! Mets ta plus belle robe, mets-toi chicks, mets-toi comme you know, famous, glamorous, what do you want to do? Mets-toi belle, fais-toi un petit déjeuner, puis viens prendre du temps avec tes girls, come on! On t'attend demain à 10h! Donc, aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à 10h? Dimanche, 10h et midi 30, c'est nos assemblées hebdomadaires. On s'attend à ce que tu te connectes avec nous, que tu prennes un temps de louange, que tu viennes recevoir ce que nos pasteurs veulent nous donner et que tu puisses, you know, être béni, être encouragé, être more avec Dieu. Give me some more. Ok, ma bad. Encore une fois, merci beaucoup aujourd'hui. Ah, puis sois sérieux là. Merci aujourd'hui. Donne-nous un like. Si c'est pas déjà fait encore, puis je comprends pas pourquoi, hein? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour être sûr de savoir qu'est-ce qui se passe. Et prends le temps de partager avec tes amis. Envoie la vidéo à une personne. Juste une personne. Dis-y, va écouter ça, c'est drôle. Le gars, il a une barbe, des cheveux longs, puis un chapeau bizarre. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se dit à bientôt. Peace out.